Yangoyo. Hein? Yang, tangate, tangate. WW, tanga. Nati yo. Kete na kodoba. Na kodoba te tanga yo moko. Ni ma telephone. Bengangai. Na ondima. Na stress, toya. Le bon moment. Image, mon bangé, téléma. Et Kuba. Ma seke zate. Ma seke zate. Bomba bom. Oh, yango te, rien. Yakala, mon dalelo. Alors, j'ai été accusé par monsieur. Oh, je vous accuse pas du tout. Mais je vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France a mis du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est un, quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays où c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali dans les mines de Morila par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Collomb? En tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Le deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro un de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand les Nigériens, vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème, et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable d'Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz qu'il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur trois ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur trois n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagarde, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche, les châteaux. Vous pensez que, pas une théorie vous pensez du que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien?
que ça va aller mieux. Mais vous pensez qu'il y a un rapport de la guerre. Alors maintenant, si vous voulez me dire, attendez, excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis? Qui travaille avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi? Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis, il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à Nassim Brahmi. Si vous voulez dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Les gens, ils crèvent de faim à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça. Et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... Il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèveront de faim. Et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr, à cause de vos amis. Mais c'est bien, voilà. Bien sûr, c'est... Parlons de Belgrade. Non, on n'a pas le temps aujourd'hui. Malheureusement, juste qui répond pourquoi, alors à ce moment-là, qui est la question que vous avez posée. Pourquoi est très simple? Parce que des représentants de la population de Benghazi qui menaçaient de massacrer sont... Mais le service secret français est 6 mois avant l'insurrection de Benghazi. Oui. Vous reprenez les mensonges habituels. Non, mais arrêtez, les services secrets français Benghazi 6 mois avant l'insurrection. Je vois que votre information n'est pas parfaite. Je voudrais sur Benghazi vous donner. Attendez, juste une réponse. Je vous permets pas de traiter de... Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la région de Benghazi est tranquille? Est-ce que vous trouvez que... Non, bah, je n'ai pas dit que... Quel était l'objectif de l'intervention de la croisade en Libye? Éviter d'introduire la démocratie. Non, mais vous trouvez que la démocratie existe en Libye? Non. À Benghazi? Non, à Benghazi, non, là le massacre, où 15 jours après l'indépendance et la mission de l'entente de croisade, on a assassiné l'ambassadeur des États-Unis. Oui, oui. Mais s'ils avaient... Voulez-vous me dire où est la démocratie aujourd'hui? Non, c'est pas la démocratie qu'on a introduit, simplement on a évité le massacre. Quel massacre? Vous avez assassiné, pas vous. Vous avez fait assassiner dans des conditions honteuses le colonel Kadhafi. Vous le savez bien comment il a été traité. On s'arrêtera là. On s'arrêtera là. Je suis indigné parce que... On recommence avec le complot. Je réfute la faute. Namasolo ya lelo bandeko na koyebisa bino 2015 otozokota tozali toujours na nouveau millénaire. Nouveau millénaire et bandit de toujours au 21e siècle. Boyebi lissousou. Tango, tu as dit 1999. Oh, bandit de la belge, babengaka. 99. Balobaki. Informatique, masolo, ekobeba, tango, tokokotana. 2000 ordinateurs, ekokako fonctionné, mais bazuela ki yango mayele, ole ekende. L'olenge nini, bachaki kaka, 0-0. Je me souviens, na outaki, na voyage, na Europe, précisément, en Angleterre, na zagi, na Londres. Tant on a zongi, na zongi, na Washington, to banga ki mouke, ekosuka, l'olenge kani. Mais, bon année, ango, to banga ki te, kure, ko katana, ekozala, apocalypse, et salma ki bongote, to zwa ki solution. Alors, message ya lelo ezali mingi koyebisa bandeko o bazo sala ba site baye bandenge masolo ane sala maka informatique e sala maka ndenge nini na masolo ya oyo tozo benga lelo ba site bato batondi bato bakomi ko wela kaka ba nombre ba view na YouTube nga batala kangai. Nazan ba vu e belé. C'est bien beau. Mais na royeb sabino lelo. Domaine oyo ya makambu ya ba site ndenge e fonctionnaka. Sauf qu'un TV, soki le bomo na kanga na linga yango na travers na bango po. Congolais mo côté a komi na niveau au Sauf qu'un TV a komi na yango. Ndenge to mona ka France 24, CNN, A Jazeera, TV5. Soko koti kuna, otali, video bango ba poste. View na yo wana eko konte e pa na bango. E o konte na YouTube. Te? Parce que ba zali na konteur na bango. Ndenge moko pe e zali lelo soko koti na Sauf qu'un. Ndenga yo tali video, view na yo e konte na Sauf qu'un, e konte na YouTube te po, Sauf qu'un a dépendre na YouTube te.
Alors, question est Zalibo. Bande Kobozo Tchamakelele, Biso Site Nabiso Danze. Moukolo lelo YouTube et Kozalate. Boko ta mai. Sol le YouTube et Koufi Nango. Masolo Nabino, na mayo. Vime Ope Zali, et la Kisaranango, ba nombre ba vieuté. YouTube à travers na Google, ba nombre ba vieux Nabino. L'air mot va récompenser Rabino, appelle Rabino, moi rémunération, je le sais. Mais, dans le niveau des alliés, sauf qu'un dingue travaille à cas. Quelquefois, on est en train de se faire, si on a YouTube, bon, on attend que vous avez vu les alliés mouqués. Mais, on a nionso, batala qui a un sauf qu'un, vu les alliés sauf qu'un TV. Et ça, YouTube, de? Bah, c'est de nous se dépendre à YouTube, t'es. Hein? Al Jazeera. Bah, ça, na compteur, na bango, y'a ma view, na bango. Donc, toi, comment, moi, évoluer, na ma solo, y'a ma site. Ma solo, ma site, y'a l'ikaka, au dépendre à na YouTube, t'es. Oh, bah, t'as la ranga, 500 000 views. Mais non, c'est ridicule. Bon, ma fille, ça n'y voit la technologie, bande de cognon soyo, vous allez le lot dans le domaine. Y'a ma solo, oyo, bon, là, n'en de qu'on a bino, y'a sauf kent, oya yebite, bah, c'est un gars, kababi, montre-moi, la qui s'en aille, n'a l'ingé na yeba, n'est-ce ma solo, et salamaka, le lot, okoma, n'est-ce ma sauf kent, c'est zali, hein, à l'estar, y'a ma TV, 5, bah, TF1, bon, t'as la bino, moko. Dans les cas qui n'a TV Awa, bango baza pe na page na bango. Tant on a kota ki na omo na ba vyute. Nathalie, élément on a, nenge le kanaki, mais okomo na vyute pour baso dépendre na YouTube te. Batia ki nga na journal Awa. Batia on a page na bango, omo la pe, ne ba filme image, et puis nandenge, et bima ki na journal, omo la nombre ba vyute, parce que baza na konter na bango, sauf Kent, azali toujours le meilleur. Oyo kota la na iPad, o kota na ba façon nyo solingi en direct et surtout ikam na bi na bino wana bandeko botika ko kosa liboma. Bolanda moningo a yebipo masolo bana Congo e kende liboso. W tanga na dio kapena ko doa na lo bate tanga yo moko ni ma telephone bengangai na ondima na stress toya obomonat image mo bangé telema e kuba ma sekezate bomba bom oh yango te rien yakala monda lelo